Bruxelles. Ça vous a plu? Est-ce qu'on a nos mains d'une autre? C'était bien, hein? Ne quittez pas la scène. On va leur poser quelques questions, parce que c'est les jeunes générations, c'est les générations futures qui vont transmettre leur savoir-faire, qui vont nous remplacer, nous, les personnes âgées. Le jour où on ne pourra plus faire ou aider la pagode, ce sera à eux, à leur tour, de nous aider et à continuer à aider la pagode pour nous. Alors, je pose la question à Sayon et à Vanessa. Venez, venez, les enfants, 2 minutes pour la question. Vanessa, Maëva et Sayon. Alors, les jeunes, vous qui êtes la génération future, pour continuer à transmettre votre savoir, faire et votre savoir de danser aux futures générations, nous on ne pourra plus le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes double culture, Maïva, toi qui es eurasienne et toi qui es double culture cambodgienne et thaïlandaise, qu'est-ce que tu peux expliquer à toutes les personnes qui sont là? Voilà, en fait, je viens de personne. Comment tu vas faire pour continuer à nous aider? Je viens de personne. Voilà. Bonjour à tous. Mon ressenti est que on devait continuer à venir à la pagode pour perpétuer notre religion, continuer à apprendre aux futures générations, les petits comme le petit qui est devant, que plus tard, il pourra prendre la relève et de faire perpétuer la pagode pour tout le monde. Et j'aime le mot perpétuer. Merci. Maïva, toi qui es eurasienne, de papa français et de maman thaïlandaise, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui d'être en présence de tout le monde, de toutes les générations, de toutes les... comment dire, de toutes les cultures qui sont là? Qu'est-ce que tu en penses de cette journée? Est-ce qu'on doit continuer? Bonjour à tous.